vous allez bien, troisième vidéo avec Chinoubou Pulip. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un concept, donc je vais devoir la maquiller d'un maquillage d'une pulipe. Donc elle va tirer au sort un modèle de pulipe, elle aura le choix entre 5 modèles et je vais devoir la maquiller en cette pulipe. Donc est-ce que tu es prête? Non. En sachant que tu n'assumes pas du tout ta figure sans maquillage, là. Enfin... Et j'ai choisi des maquillages bien voyants, vous savez, hein, pas des maquillages naturels. On va se finir sur un make-up de la Akemi, là. Tu la mets dedans, c'est ça? C'est laquelle? C'est la pulipe Haute New York. Tu vois quelle pulipe c'est ou pas? C'est une June Planning avec des cheveux verts. Oh putain! Un maquillage bien rose. Donc je vais vous mettre une photo. Attends, parce que moi, faut que je regarde d'abord à quoi ça ressemble. Bah c'est elle. D'accord, ok. Et encore, t'as de la chance parce qu'en fard de paupières, elle a rien. Mais en fait, quasiment. Pourquoi t'as mis une JP? Les JP, tu sais très bien que sur les yeux, elles ont que dalle. Elle a un trait d'eyeliner, elle a du rose en dessous des yeux, elle a du rouge lèvres rose et elle a du blanc au-dessus des yeux. J'attache mes cheveux? Ouais, bah moi aussi, parce que j'aime pas travailler... Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, n'est-ce pas? C'est juste un concept super drôle que vous pouvez reprendre, bien entendu. Je sais pas m'attacher les cheveux en queue de cheval sans une brosse. Est-ce que dans un premier temps, tu as déjà hydraté ta peau? Non, je me suis pris une crème. Bah, bouge pas, je vais te le faire. Je vais te tout te chercher. Je vais lui... Enfin, elle va s'appliquer, elle toute seule, une crème de soins hydratante. Sinon, j'avais la mienne, hein. Oui, mais le but, c'est que tu te maquilles avec mes produits. Je suis so sexy. Non mais votre caméra elle est trop loin. Ouais. Tu peux me tenir. Contente hein. Je suis très bien que j'avais mis en fait. Vous voulez que je vous dise les modèles, les autres modèles que j'avais marqués sur les papiers? Donc il y avait la Akemi. J'avais marqué la pulipe Stika, le rouge à lèvres bien orange, tu sais. J'avais marqué la pulipe Classical Queen, le rouge à lèvres bien rouge, mais ça t'as l'habitude. Je l'en mets tous les jours du rouge à lèvres. La tulipe Louis de Mila. Ouais. Fard bleu, lèvres rouge rose. J'avais marqué la pulipe Akemi, du coup, que t'as mis de nez. Et bah, du coup, la pulipe Haute New York. Alors, du coup, tu vas utiliser une base de paupières. Bah, attends, je vais l'appliquer sur les yeux. Donc, c'est la Urban Decay. Et tu vas l'appliquer en taponnant. Ferme tes yeux. Tu vas. Attends, ferme tes yeux encore. Tu vas tapoter pour faire pénétrer la matière. Voilà, vas-y. Tu me dis quand c'est bon, hein, parce que là... Bah dès que tu sens que la matière elle a bien pénétré sur ta paupière, tu arrêtes. Je sens que dalle pour l'instant. Tiens, je vais te mettre de l'highlighter aussi. Changement de programme, je vais aussi te mettre de l'highlighter tout à l'heure. C'est bon? Ouais, c'est bon, parfait. Tu mets tout sur toute ta paupière mobile. L'highlighter, je le ferai en dernier, hein. Tu te rends compte que je mets quand même jamais de fard à paupière? Bah ouais. Enfin si, pour ma pote, elle maquille. Alors du coup, comme la pulipe Haute New York, elle a un fard super léger, enfin c'est limite du blanc. Moi je vais te mettre du blanc mais pailleté. Et je vais te mettre ce fard là de chez Bourjois, un blanc pailleté. Elle a l'air au bout de sa vie. Je l'aime tellement cette pulipe, putain c'est un ancien modèle qui coûte 800 balles, je ne sais combien d'euros. Donc du coup je vais t'appliquer ça avec un pinceau normal. Ouais. Putain, j'aurais tellement aimé que tu tombes sur la pulipe Stika ou la pulipe Ludmila, tu vois. Parce que là, elle a un fard à paupières blanc. Tu me dis si j'appuie trop fort, hein. Normalement, c'est pas pailleté, mais si je te mets du blanc, on aura l'impression que t'as du blanco sur toi. Bah, je suis déjà blanche, donc à la limite, ça se verra pas, quoi. On dirait que t'as mis des faux cils. Non, c'est mes vrais cils. Après, le meilleur moment pour toi, ça va être te démaquiller. Non, ça c'est le pire moment, j'ai pas me démaquiller. Ah ouais? Ah moi, ça... Comment dire? Moi, c'est une liberté quand je me démaquille, de plus avoir de maquillage sur le visage. Oui, mais moi, je me maquille que les yeux, donc à la limite, ça va. Et la bouche? Et la bouche, voilà. Tu mets pas de fond de teint, toi, t'en mets jamais? Non. Attends, ta peau, elle est bien. C'est pas comme ma gueule là, avec tout le monde dit ça. Mais c'est vrai, moi j'ai des petits boutons par-ci par-là, des imperfections, des cicatrices que du coup moi mes boutons je les éclate, chose à ne pas faire, n'est-ce pas?
Bon, du coup, je vais changer de pinceau. Du coup, on va prendre un rose clair pour le creux ou le coin des yeux. Oui, la merde dans les yeux, c'est le creux ou le coin. Le coin des yeux. Bref. Bah, je vais utiliser cette petite palette-là. Hashtag Lidl, que j'avais acheté il y a des années. Et je vais utiliser ce fard-là, le rose clair. Qui s'appelle... Coton Candy. Après, je vais venir estomper, hein, tu vas pas rester comme ça. Du coup, je vais venir estomper, qu'elle reste pas comme ça. Du coup, le rose, on a terminé. Je vais te prendre le marron. Le marron, je vais changer de pinceau. Je vais te prendre celui-là. Et je vais changer de palette. Bah, faut leur montrer la palette, ma chérie. Et on va utiliser ce marron, ce marron là. Lui. Lui là. Salut. Je de la mon pif. De la. Tu fais quoi là? On va comme c'est transparent, ma gueule derrière. De cette palette là, de Miss Cop achetée à bah Lidl je crois. Stokomanie. Non, Stokomanie, Lidl. Ah oh, je sais plus. Ça va? C'est bon? Je me greffe les yeux là dès le matin. On est l'après-midi ma chérie. J'en ai foutu pas, j'en ai foutu là. Attends, ah, c'est vrai. Tu me maquilles jamais au ras des yeux, à part pour l'eyeliner. Désolée, mais c'est trop horrible. Attends, attends, je pardonne, vas-y. Bon, on va dire que... Attends, on dirait que t'as un coca en dessous de l'œil. C'est ça. Je vais frapper 15 fois à l'œil. Mascara. Mascara. Ah, j'aime pas quand on met du mascara en plus. Je vais mettre lui le Miss Manga de chez L'Oréal. Ça a pas du tout fait la mise au point. Alors ça tu vas le faire. Mais fais la mise au point sur les dents, putain. Tu débrouilles bien. T'en mets pas en dessous, moi je le fais jamais. Je trouve que de mettre du mascara en dessous ça fait pâté. Ça fait... J'en mets tout le temps en dessous. Ah ouais, moi j'en mets jamais. Hein. C'est beau, mais si tu l'appliques mal, ça fait pâteux, je trouve. Du coup, je le fais jamais. Bah, moi je fais une fine couche. Et j'ai jamais l'habitude. Tout le temps sur cet œil où j'ai un gros pâté là. Moi, c'est... Bah, moi aussi, c'est l'œil gauche. Elle est trop belle, Sharia. Akako avec ses nouveaux fossiles que tu lui as mis. Après, vous aurez un zoom tout à l'heure. Hein, parce que là, ils voient que dalle. Ouais. C'est bon. Mais, oui, c'est bon. Tiens. Il manque l'ongle. Et l'highlighter que je vais te mettre. Même si elle en a pas, mais bon, après, c'est un visage fade, ma chérie. Enfin, non, t'as pas un visage fade, mais le maquillage est fade. Même si j'aime trop. Je vais utiliser cette petite palette achetée à Action. Donc, c'est la Glow Highlighter Palette. Je suis assez que tout son maquillage vient de. Non, t'as magasin pour les produits de beauté. Hashtag Sephora. Et je vais te mettre le blanc, le plus blanc, là, ici. Il est super pigmenté. Tu peux pas avec le pinceau toi? Non. Après je vais estomper, hein. Là c'est juste un gros trait. Je tiens à préciser que je me suis lavé les mains avant. J'ai pas une grosse crado non plus. Hein. Putain j'en ai foutu dans le sourcil comme une grosse conne. Je l'ai super mal mis la lighter, mais il est tellement pailleté que ça se voit comment je l'ai mis. Te mettre un jumbo à lèvres, en fait il est rose rouge en fait. Oh caramel. Oui, il y a ma chatte qui arrive. Caramel. Je pensais que c'était barré. Du coup, je vais lui mettre un jumbo à lèvres. Bébé. Lip balm que j'avais eu dans le calendrier à Action. J'étais chez le dentiste. Je l'ai savoir. Bah c'est bon, t'as le maquillage de la pulipe Haute New York. Bien, on n'a pas encore montré le maquillage que déjà... Que j'ai déjà un chat sur les genoux. C'est ça. Bon, on va faire un petit zoom. Concentration. Mais m'a foutu des poils partout. Vas-y, regarde la caméra, ma chérie.
Ouais, on voit pas vraiment. Elle a du marron en dessous les yeux. Ah, le rose, peut-être que vous allez bien le voir hein, dans le coin. Le rouge à lèvres, on le voit bien. L'highlighter, fais ça, ma chérie. Ah si, ah quoi que si, le highlighter, on peut le voir. Du coup, voilà. On va conclure la fin de la vidéo. Sur des dolls. Sur des dolls. Donc voilà, voilà. La vidéo est terminée. Putain, le surexpo de malade. Attends, on va enlever le surexpo de ouf. Caramel, pousse-toi s'il te plaît en fait. Mais pauvre Caramel. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que le concept aurait été un sympa... Sympathique. Ah. Voilà. Donc pareil, comme d'habitude, le lien de la, de la chaîne YouTube, mais du Insta de Shinobu dans la barre de description. N'hésitez pas à commenter, à l'aimer ou à la disliker, faites ce que vous voulez. Non, la chaîne Miku Bleu de préférence. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!